L'enfermement n'est pas réservé aux marginaux, aux schizophrènes et aux alcooliques. Amélie n'a aucune pathologie, même pas celle d'être à la rue. C'est une jeune fille de 23 ans. Elle peut remercier son entreprise de l'avoir internée. Conseillère clientèle chez un opérateur téléphonique, en plein burn-out, elle a giflé son supérieur hiérarchique qui depuis plusieurs mois lui imposait des heures supplémentaires non payées et qui n'était pas avare en remarques concernant sa jupe qu'il rêvait sans cesse plus courte. À la suite du mouvement d'humeur de son employé, le chef du magasin s'est plaint à la direction, qui a fait immédiatement appel à la médecine du travail. Quand le médecin arrive, Amélie est prostrée, assise contre un mur. Aucun mot ne sort de sa bouche, la sidération l'a tétanisée, et le médecin prend la décision d'appeler le SAMU. Après une nuit passée aux urgences, le psychiatre décide de l'interner. Un représentant légal de l'opérateur téléphonique vient signer l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Elle n'a rien à faire en psychiatrie. Mais toute contestation de cet état de fait revient à donner des arguments supplémentaires pour son maintien ici. Malgré les calmants qu'on lui a administrés à son arrivée, la rage de l'indignation a pris le dessus. L'infirmier lui explique qu'elle n'est pas autorisée à descendre dans le hall pour prendre un café. « Il faut respecter les règles, madame. »« Les règles, mon cul. Je n'ai rien fait, on me traite comme un violeur d'enfants. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer sans raison. » Termine-t-elle le doigt tendu en direction de la salle de réunion. Je suis juste à côté d'elle, à ressasser en silence, tandis que les pachydermes contemplent la télévision comme un coucher de soleil. 6 mois qu'elle bossait chez l'opérateur, une gifle, et on l'a enfermée. Ce boulot de merde, si elle a accepté en dépannage, c'est qu'il n'y avait que ça. Elle a un bac plus 5 en marketing. Comment des médecins peuvent-ils se transformer en flics? Comment une entreprise peut-elle demander l'internement d'un de ses salariés? Elle se pince depuis la veille avec le sentiment de vivre un cauchemar. Faucon lui a appris que son obsession-compulsion est symptomatique de son état dépressif. Moi, je lui ai dit que si j'étais déprimé, c'était qu'on me traitait comme un chien chez cet opérateur. Je m'occupais de la vente et des tâches administratives que les autres vendeurs refusaient. Quant à David, le directeur du magasin, quel sacré connard! Il disait qu'à force de mater son cul, les clients ne regardaient plus le forfait haut de gamme. Que sa place était en vitrine pour aguicher le chaland, comme les putes. Qu'il fallait laisser la vente aux hommes, qu'elle ne servait à rien ici. Il n'arrêtait pas de l'appeler princesse et ça l'a dégoûté. Mais, visiblement, il y a des gens qui trouvent ça normal, y compris le docteur Faucon. Lui, de son côté, affirmait que si elle avait fait 5 ans d'études et qu'elle se retrouvait là, c'était bien qu'elle avait voulu. Et que tout ça était symptomatique de sa pathologie. Attribuer systématiquement ses fautes à autrui. Mais quand on pousse à bout quelqu'un, c'est normal qu'à un moment ça parte, non? Bah non. Faucon pensait que ce n'était pas normal, que sa patiente portait en elle une grande violence, que même si elle n'était pour rien, elle devait se faire soigner. Nous sommes là pour ça. Voilà ce qu'il avait conclu, calmement, un vrai fou. Amélie se laisse tomber sur une chaise. Je comprends plus rien à rien. Reprend-elle en s'épongeant le front. « Je suis arrivé hier et j'en peux déjà plus. C'est comme si j'avais marché 100 kilomètres. Je suis lessivé. » L'asile se chargerait désormais de lui inoculer des pathologies bien réelles. En attendant le licenciement de la jeune fille, il la démolirait soigneusement. La perte du statut social s'ajoute à la perte de la dignité. De l'ouvrier au PDG, à l'asile, vous serez toujours moins bien traité qu'un gosse en colonie de vacances entouré d'animateurs irascibles. Si vous étiez chef, vous ne l'êtes plus. Le psychiatre devient votre maître, et si vous n'étiez rien, vous devenez un moins que rien.